Amandine, qu'est-ce que vous préparez ? On prépare les rillettes de poulet, donc 100% volaille, poulet et graisse de canard. Un parmi les 100 000 bocaux qui sortent annuellement des ateliers, ou devrait-on dire des laboratoires de la conserverie artisanale Vosges Bocaux, située à Vanier, une entreprise créée il y a 5 ans par Amandine Perrin, comme un petit clin d'œil à son enfance. Mon éducation peut-être, puisque ma grand-mère a toujours fait des bocaux à la maison. On venait le dimanche, elle ouvrait un bocal et on mangeait simplement comme ça. Et j'ai été éduquée comme ça et ça me plaisait. Et revenir à ces valeurs-là, ça me paraissait important. Dans cette conserverie qui emploie 4 salariés, dont Amandine et sa maman, on ne travaille qu'avec des produits locaux, privilégiant les circuits courts. Viande, légumes, fruits bio ou non sont cuisinés, conditionnés dans ces contenants en verre, stérilisés en autoclave. Des produits qui se conservent 2 à 3 ans sans aucun additif. Quant à la vente, elle se fait dans cette boutique en plein centre de Vanier. Mais pas seulement. Les salons, c'est pas suffisant pour en vivre toute l'année. La boutique, c'est le plus pour vendre nos produits en local. Le e-commerce, ça nous permet de travailler un peu plus loin. Et le partenariat de boutique qu'on a de revendeurs, c'est un plus et c'est indispensable pour se faire encore connaître toujours plus loin. La jeune femme ne souhaite pas communiquer sur son chiffre d'affaires. Vosges Bocaux, c'est un panel d'une centaine de recettes. Plats préparés, soupes, tartinades, confitures, compotes et rillettes, dont celle-ci qui, avec d'autres produits labellisés « Je vois la vie en bouche terroir », ont été exposées récemment au Salon international de l'agriculture de Paris.